Salut à tous, c'est Xeneco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui très très courte pour vous annoncer que je pars à Prague demain matin en République Tchèque pour la Ligue Européenne de Blizzard pour suivre l'événement en direct. Je pourrai vous tweeter plein de photos et autres sur l'événement sur invitation de Blizzard, en plus on se refuse rien. J'ai suivi vos conseils donc j'ai pris un caméscope, je n'ai pas été pour la GoPro tout simplement parce que au moins j'ai un petit retour image, donc j'ai craqué finalement sur le choix de base, la Sony HD CX240, en espérant que je puisse vous faire des trucs pas mal. Au moins j'ai une caméra à main avec un petit retour écran, du coup ce que ne proposent pas les gros pros. C'est vrai que j'aurais pu me servir aussi pour mes vacances à la piscine dans un hôtel 4 étoiles, j'en sais rien. Je vais voir ce que je peux faire avec ça, faut que je lise. Donc j'ai pris ça, j'ai pris une seconde batterie, j'ai pris une carte mémoire micro SD 64 Go qui est dedans. Donc j'espère vous faire des belles vidéos. Donc c'est du 1080p, 50 images par seconde maximum. J'ai mis à recharger, ça devrait aller. J'aime bien le petit truc de recherche qui est intégré au petit câble USB. Ça c'est cool. En tout cas, sachez que je vais vous communiquer quand même un petit programme parce que je vous ai fait des vidéos en avance et j'ai carburé. En 3 jours là, j'ai tout donné. Donc vendredi, donc demain quand vous verrez cette vidéo. Alors le vendredi, il y aura une vidéo de, si je dis pas de bêtises, je regarde, on est le combien, on est le premier et c'est là, donc il y aura une vidéo de LBX, donc une, non pas une vidéo de LBX, pardon, une vidéo de Evoland, donc une vidéo de Evoland, plus un guide héroïque sur Heroes of the Storm, et je rage pas, hein, alors là je vous botte le fion si vous dites que je rage, donc vendredi, une vidéo d'Evoland, qui sera en deux parties, plus une vidéo de guide héroïque d'Heroes of the Storm. Alors quand je vous dis en deux parties, c'est parce que la vidéo des Volandes, elle fait 2 heures, donc je l'ai coupée en deux fois 1 heure. Samedi, vous aurez une vidéo de LBX, la deuxième partie des Volandes, plus une vidéo sur Rocket League. Voilà. Le dimanche, vous aurez une vidéo de Rocket League et une vidéo de guide héroïque de Heroes of the Storm. Voilà. Et le lundi, il y aura peut-être une vidéo d'Unreal Tournament. Peut-être, je crois qu'il me reste en stock, donc il va falloir que je la passe. Alors je la passerai, cette petite vidéo en Capture the Flag, etc. Donc c'est le mini-programme que vous aurez pendant que moi je suis parti, donc de vendredi matin à lundi soir. J'essaierai de vous faire un petit topo et une vidéo avec ce que j'ai pu filmer. J'espère que je pourrai me balader, prendre aussi sur l'événement, etc. Il y a, si je dis pas de bêtises, il y a Navi hein, qui est qualifié pour la Ligue Européenne. Peut-être une petite interview de GPL si j'arrive à le choper là-bas, si j'arrive à le croiser comme ça. Bon, ils auront sûrement des t-shirts Navi, ça devrait être assez repérable, du noir et du jaune. Donc si j'arrive par exemple à croiser GPL, une petite interview rien que pour vous. Et s'ils sont champions et qu'ils se qualifient pour le tournoi mondial, ça serait juste génial. Mais ça peut être cool quoi, une petite interview avec GPL. Je viens d'y penser comme ça. Ou d'autres Français, par exemple Méné, je crois, aussi, qui est français. Hey, il peut y avoir des choses. Black Scorp, je crois, qui est français, francophone. Donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas se faire des petites interviews. On ne sait jamais si ça passe. Donc moi, j'espère que vous aurez la hype comme moi. Moi, je serai sur place. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, principalement. Vous cherchez Xeleco. Et sur Twitter, je vais balancer des photos en direct de l'événement, des trucs que il y aura peut-être pas forcément dans la caméra, mais je prendrai une petite photo avec l'appareil, genre un petit truc, clac, photo, boum, direct sur Twitter. C'est la folie ici, l'ambiance est ultra géniale. Donc suivez-moi sur Twitter pour en savoir plus en direct quand je serai sur l'événement. Si j'espère que mon téléphone est assez bon pour vous tweeter des choses et que le Wi-Fi gratuit qu'ils nous passeront marchera correctement. Parce que parfois, dans les events, on capte pas très bien. On verra bien de toute façon. Donc voilà le programme. Moi, je vais essayer de prendre énormément de plaisir. Je remercie Blizzard de m'avoir invité. Et j'espère que je vous ferai une petite vidéo correcte de cet event avec de la musique. J'essaierai, même si ça me prend 1 ou 2 semaines à faire pour le retour, l'événement. Eh bien, ça me prendra le temps que ça faudra, mais je vais essayer de vous concocter un petit truc sympa. Donc, pour ceux qui se demandent, le tout, sacoche plus carte SD, plus deuxième batterie, plus la caméra, plus ces frais de port, je crois que j'en ai pour 220 €. Elle coûte 167 sur Amazon, la caméra à l'heure actuelle où je vous parle. Donc, espérons que ça rentre bien. Alors moi je l'ai bien en main, j'aime bien un petit truc comme ça qui tient bien, puis ça m'évitera de me balader avec une perche à selfie. J'ai pris une petite sacoche qui s'accroche directement à la ceinture, du coup ça sera nickel, il n'y a pas besoin de bandoulière ou autre.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez la hype. Vous pourrez également suivre eh bien, les tournois commentés sur Twitch, notamment si vous voulez par exemple retrouver Sylin, eh bien il commentera sur la TV Führer. Commentera, donc vous pourrez retrouver Sylin là en attendant, puisque tout le monde maintenant a l'occasion et a les droits de commenter cette Ligue Européenne, ce qui n'était pas le cas avant, c'était exclusif à Millennium, mais finalement ils ont décidé que tout le monde pouvait le faire. Donc du coup, tout le monde pourra le commenter, et si vous avez aimé Sylin, eh bien vous le pourrez le retrouver sur la TV Führer. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de soirée, la caméra s'emballe parce que je tape sur mon micro comme si... sur mon bureau, pardon. Je commence à dire des bêtises, c'est la fatigue, j'arrête pas de tourner en rond, faut que je fasse la valise, tout ça. Allez, allez, je m'en vais. Bonne soirée à tous et amusez-vous bien de tout ce week-end, de ce que vous allez faire. Faites attention à vous, prenez soin de vous, portez-vous bien, ciao!